Bonjour à toutes et à tous et merci de vous informer avec la RTBF. Place aux suites du Pipigate. Voilà un nom bien cocasse pour une affaire qui embarrasse de plus en plus le ministre fédéral de la Justice. Il a reçu des amis chez lui cet été. Certains ont uriné contre un combi de gendarmerie. Alors Vincent Van Quickenborn avait assuré qu'il n'en savait rien, mais des images de vidéosurveillance semblent bien montrer le contraire. Et les critiques commencent à fuser. Le point avec Benjamin Carlier et Thomas Deschamps. Que s'est-il passé exactement lors de la fête d'anniversaire du ministre de la Justice à son domicile? Et surtout, que savait Vincent Van Quickenborn de l'attitude de ses amis? Des images de vidéosurveillance visionnées par nos collègues de la VRT le montreraient hilar près du véhicule de police sali auparavant, ce qui interpelle aujourd'hui plusieurs syndicats de police. Er zijn twee aspecten aan heel het verhaal. Enerzijds de gedragingen van de feestvierders, die voor ons als politievakbond totaal niet door de beugel kunnen. Maar anderzijds ook het gedrag van de minister, die zelf blijkbaar naar de combi zou stappen en die open doen. En bovendien alles nog eens ontkent. En dat stoot ons het meest tegen de borst. Si les faits sont avérés, parce que moi je n'ai malheureusement pas vu la vidéo, si les faits sont avérés, je dois dire que c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est d'irrespect, il n'y a pas d'autre mot. En plus, en tant que vice-premier ministre, il a une image. C'est la Belgique qui se moque de sa police intégrée. C'est pas acceptable. Le principal intéressé, lui, met en garde contre une interprétation erronée des images et continue d'affirmer qu'il ignorait tout des débordements de ses invités. Il kan goed zijn dat ik bepaalde gebaren heb gemaakt, maar degene die daaruit afleiden dat ik op de hoogte was van hetgeen wat er zich uren daarvoor heeft afgespeeld, ja, die is ter kwader trouw. Maar voor alle duidelijkheid, ik heb op een bepaald ogenblik, het laatst van de avond, de laatste gast die trouwens niet op de hoogte was van die feiten, ook niet bij betrokken was, vrijgeleide, uitgeleide gedaan. We hebben gewacht op de taxi, heeft behoorlijk lang geduurd. Maar ik was niet op de hoogte van die feiten, die persoon ook niet. En dat is de waarheid. Mais l'affaire prend désormais un tour politique, alors que ses partenaires s'interrogent désormais publiquement sur la véracité des explications du ministre. Wel, er zijn beelden. Het parquet zal die waarschijnlijk toch kunnen beoordelen wat er daar zich precies heeft afgespeeld. En dan zullen wij kunnen beoordelen of de minister de waarheid heeft gesproken. Dat dat gedrag niet wenselijk is, dat denk ik dat dat minstens is wat je kunt zeggen. Maar voor de rest denk ik dat de minister zelf en de partij moet communiceren. Le ministre doit venir s'expliquer dès ce jeudi en commission au Parlement.